l'écrin de l'océan Indien. Deux îles jumelles, un seul nom. Agaléga. 1070 km au sud des îles Agaléga. Nous sommes au poste d'embarquement de Port-Louis, capitale de l'île Maurice, où Stélio Henry nous convie à la découverte d'Agaléga, son Agaléga natal. Le Mauritius Pride, dans lequel nous embarquons, est en lui tout un symbole. C'est ce navire, véritable espace de détente, qui chaque année assure deux à trois fois le ravitaillement des îles Agaléga. Ces voyages périodiques mis sur pied par la compagnie de développement des îles lointaines de l'État mauricien. Comme de tradition, le Mauritius Pride avance inexorablement à la rencontre des îles qu'il a quittées il y a plus de trois mois. À son bord, plus de 200 tonnes de marchandises attendues dans les deux prochains jours. Non mais ça coûte moins de Maurice, c'est un coup de Maurice, moi là-bas, moi ça va. Les temps sont ici, moi ça va, les temps arrivent là-bas, là, moi sentiment content, on va dire, nous avons une bonne camarade, nous avons une famille. Ouais, moi content, parce que mon île natale, c'est normal, moi content. Là-bas, nous vivons tranquille, nous tout dans l'eau, là-bas. Ça n'a pas aucun problème, là-bas. Nous vivons la vie, quoi. On peut ainsi en profiter pour faire davantage connaissance, rigoler ou parler des souvenirs des vacances passées. J'ai dit à mon nez côté dans la mer, mon avis avec la mer. Moi, le sabbat, il paraît pour moi qu'il me la terre. Tu m'as dit un petit chauve à beaucoup. Pour moi, il paraît même d'affaires qui me battent la mer que la terre. Parce que moi, habitué à la mer, moi. Il y a un groupe de monde pour casser une cause à l'eau. Ce qui n'est pas le cas du père Régis Wan Chinchong, qui pour une première franchit les eaux à la découverte de sa nouvelle paroisse. Je travaille en ce moment comme vicaire à la paroisse de Sacré-Cœur, au bassin. Et c'est la responsabilité de Beaubassin d'avoir un prêtre au service de l'île de Agaléga, où il n'y a pas de prêtre là-bas. Il y a deux sœurs qui s'occupent de la formation des chrétiens. La plupart sont des catholiques. Ce que j'entends, c'est ma première fois que je suis là-bas. Là-bas, c'est Agaléga qu'on peut déjà voir poindre à l'horizon au terme de deux jours d'un paisible voyage. Je suis content, je suis à Agaléga. Je suis tout le monde, je suis pour racine, je suis bonne famille et tout. Je suis mon bon camarade. N'allez surtout pas chercher un quai de port pour le débarquement. Seules trois pirogues pour assurer la navette entre l'île et le navire resté en haute mer. Cinq siècles de présence humaine n'auront pas réussi à changer ce cachet originel d'Agaléga. On se souvient que c'est au lendemain de l'an 1500 de notre ère que les explorateurs portugais découvrent cet archipel de 27 km carrés. L'histoire politique du monde, particulièrement marquée au 19e siècle par l'abolition de l'esclavage, aura beaucoup influencé la composition de cette population venue pour l'essentiel au forçat de l'Inde, d'Afrique, de Madagascar, des Comores. Encore vivants, des vestiges de cette époque comme ce village dit 25. 25 à cause des 25 coups de fouet que recevait ici tout esclave rebelle. Le village 25
avec sa soixantaine de familles, accueille aujourd'hui la majorité des visiteurs. Pour une population totale de 300 âmes, tout ici est réduit à l'essentiel. À l'image de cette boutique, seul point d'approvisionnement du village. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de 2003 que la monnaie va progressivement remplacer le troc, jusque-là pratiqué ici. Parce que si mon tourisme me donne paradis, tu sais que mon business pour manger, mon gagner, pas que ma Maurice après, façon de vivre, maintenant vivre ici, à une autre façon de vivre, maman Mauricien. Ici, tu sais que nous gagnons, nous pouvons tasser. Nous ne pouvons pas rien, ni de bonne foule, ni de personne. Mon mari, quand on regarde les gars, il me pousse toujours à regarder les gars. Elle dit, moi, regarde les gars, moi, je dis ça. Je ne parle pas de paradis. Je ne parle pas de paradis. Tu dis que tu es toi, tu dis que tu es toi. Tu as besoin de quelque chose. Je demande, je ne parle pas de toi. En fait, si je voulais que je dise les autres, ça, je ne parle pas de quoi. Moi, il faut que je vienne ici, c'est tout. Avec moi ici, si je veux manger un gâteau, je vais aller m'appliquer un gâteau pour venir. Si c'est un tout qui se facilite, mon travail, mon plaisir, la paix. Mon prends mon lafouine, mon couteau, mon vini. Mon fini connaît côté naori. Comme un rebas, la tout banque courage là, je tenais dans la case. Parfois, je la case à couvert, et vous avez bien. Et la fois, je suis sorti de la tête de haut. Quand je finis de nettoyer la case, je suis allé à mon parfois, il n'est pas dans la case. Si l'italien ou un rose, ils sont coulés, ils sont même coulés avec un rose. Le temps, il est dans la case. Là, il est dans mon pique-li. Mon besoin, il t'a ordé un peu sorti. Mon besoin, quand il finit sorti, il me trappe sur la tête, il devient ce bonnet. Il a dit, mon père, mais moi, comment faire, mon papa, mon fini avec lui. Tout bonne madame, je suis tout content, rôde au ici. Je suis content, la paix. La pêche à l'ingouler. Nous mettons un plan, nous la pêche au fond. Nous mettons la mousse, nous pouvons l'aider dans le fond. Ah. Avec cette boîte-là, nous avons tout qualité de poisson. Nous avons vieille rouge, vieille ananas, poisson, pinta, tout. Ça retient. Donc, quand vous venez la pêche, c'est nos poissons. Nous avons des pierres, ça. Tout le monde a les gars. Et puis, moi, je suis la peste. 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 Je suis la peste.
Dans tout la mieux, mais ça nous passe tant plus tôt. Ouais, ça va manger ça. Ici, il n'y a pas toxique, ça, mon risque est toxique. Une meilleure boisson pour manger. Ça m'a pas le bon tasse. Le laine du monde. Rien de blanc dans ces yeux ? Quand vous gagnez comme ça, ouais. Ah oui, bon, de toute façon, c'est fatigant. On la pêche pour. Pas de plaisir plutôt pour nous manger après. Quand nous finissons, quand nous allons, nous tirons nos carrés, restez en pêche, nous voyons tasse. C'est moins pour moi. Je connais avec un vraiment là-dessus. Ça, zone colombine. Colombine. La population d'Agaliga est en majorité catholique. C'est à la fin du 19e siècle que le premier missionnaire, le père Victor Malaval, arrive et construit ici une petite église, toute sommaire, à l'image de celle que le père Régis Wan Jianjong découvre à l'occasion de sa première messe avec les fidèles de l'île. Nous avons une première messe pour rendre grâce au Seigneur d'être arrivé à bon port. Les habitants que j'ai rencontrés ont toujours une grande foi. Donc ils ont gardé la foi même en l'absence d'un prêtre. Ici, les habitants ont une certaine solidarité entre eux. Ils s'entraident. Dans un cadre où même la nature se rend si solidaire, l'inspiration à la création artistique se laisse aller au jeu. Sous la plume d'Albert Jacques Poiry, Agaliga raconte sa propre histoire, l'histoire d'un espace qui défie les temps. Actuellement, j'ai écrit 3 ouvrages, un qui est à moitié sur le paquebot France sur lequel j'ai navigué de 1965 à 1975, un roman qui est fini sur l'île Rodrigue, et je voudrais rajouter un chapitre concernant l'île d'Agaliga. Moi, ce sont la plupart du temps des romans d'aventure et journal de voyage. J'insère mes sentiments, mes impressions au milieu naturel que je décris. J'étais ébloui par la beauté parce que c'est resté naturel. Lors du débarquement, j'ai aperçu que c'était une île dont le relief est un récif corallien. Beaucoup de végétation, et là je déplore qu'il n'y ait pas beaucoup de fleurs et beaucoup d'arbres fruitiers. Et forcément entouré d'une plage magnifique qui entoure l'île à perte de vue. Agaliga se comporte en 2 îles, l'île du Sud et l'île du Nord. Donc à l'île du Sud, il paraît qu'ils détiennent le cimetière colonial et les premiers habitants sont arrivés en réalité à Agaliga du Sud. Agaliga ni nan pied coucou, Agaliga ni nan filao. C'est la difficulté qui nous dans notre travail, la mer. Nous pénaser l'eau, dit l'eau, comme un petit canard. Galéga, nous n'en pied coucou, Galéga, nous n'en filaou. C'est la difficulté qui nous dans notre travail, la mer. Nous pénaser l'eau, dit l'eau, comme un petit canard. Au papa, c'est loi. Maman, c'est loi.
mon grand Galiga, mon mari Galiga, mon grand enfant Galiga, mon grand petit enfant depuis une année. Ils sont pour moi, ils sont et nous disons pas tout le parce que mon vieil âge, c'est un âge de ma cour. Et dans l'endroit, je ne pas tout la mienne, tout ce qu'on ne sait pas tout. Je ne sais pas tout. Longtemps, je suis safe ici. Météo, tu es ici. Tu es dans l'île du Sud même. Mon idée, tu es ici. L'île du Sud. Tout ici. L'école, plus grande école, tu es ici. De la maternelle au secondaire, Agalega compte 80 élèves. Les enseignements dans l'archipel vont jusqu'en troisième année du secondaire. Et c'est à l'île Maurice que les garçons et les filles d'Agalega peuvent poursuivre leurs études jusqu'à l'université. Galega n'est pas pied coucou, Galega n'est pas filaou, seulement n'est pas différence à cause cimetière blanc noir. Galega n'est pas pied coucou, Galega n'est pas filaou, seulement n'est pas différence à cause cimetière blanc noir. Cimetière noir, blanc cimetière noir par là-bas. Je blanc pas ici. Français, il n'y a pas de content noir même. À cause de l'amour, autant terre noire de côté, en terre blanc de côté. Mais de l'amour, il n'y a pas de différence. Parce qu'il y a un mot, tout le monde pourri. Il n'y a pas de différence de l'amour. Les autres, ils font ça comme ça. Moi, c'est mon mot, on dit où. Moi, je suis content d'être en terre de cimetière noir. Contre mon famille, notre, contre mon esclave, notre, il est là-même. Voilà, il est là-même. Bien loin de la frénésie des grandes villes modernes, Agalega observe le monde et vit dans la crainte des changements climatiques. L'augmentation éventuelle du niveau de mer avec l'origine corallienne de l'île. C'est un bon, c'est nous qui le tirons, pareil comme un pied coco. Moi, à l'époque longtemps, c'est dans la Syrie. Ce bon pied coco mien, c'est un petit fan. Maintenant, tu fais mon bâti, ça fait tout. Pour la recherche du bois, Maurice, tu fais du bois, tu fais un mip, toi, avec un bon pied coco. Je pense que tu as dit à la. Bon, pour qu'on ait un pied. Non, quand je suis Maurice, moi, je suis un cocola, je trouve que je suis un peu de temps. Moi, je suis un peu de temps. Je continue à l'abondance, je finis. La scène, je peux boire, ça peut rester, je peux rester là-même. Là-bas, je suis acheté, ça, c'est pas combien. C'est un paradis, quand nous tous, nous gagnons facile, je suis acheté. Je travaille plus coco, avant, tu tombes dans la journée, tu fais dans la journée, c'est un tarif. Mais à cette époque, il ne donne pas overtime. Après, nous allons travailler après 4 heures. Et là, sac du monde est ramassé. Ramassé, les plissé. Là, on a un coco comme ça, il y a une roupie. Quand on peut avoir Maurice là, il y a comme ça, fini, puis il ramasse. Et c'est dans ce petit monde qui trie, il sélecte. Et là, il fait une 40. Donc, on a acheté là, on a arrêté, on a acheté un coco, ce temps nous boire. Mais ce coco sec. Là, pareil, comme on a un coco comme ça. Ce petit petit, ça nous plissé, on fait des huiles. Ça, on voyait l'île, elle m'a dit madame Kassli de Kokli. Elle m'a dit madame de Kokli, elle nous mettait les chauffer dans le calorifère. Après, on a voyait l'île dans le moulin, elle nous fait de l'huile. Sur la coque qui nous restait là, ça nous se fout là que ça. Thank you.
recette qui dit monde connaît à galega c'est rase poisson. Coup de poisson avec du lait coco. Ou pas faire avec n'importe qui poisson, mais c'est pas besoin de gros poisson. Les ou soit au poisson, soit ou pas cuit bien petit peu. Pas grand, un petit peu ou laisser cuit. Après ou rap coco. Un petit peu de l'eau chaude parce que vous pèsez coucou là, vous pèsez avec un petit peu de l'eau chaude pour lui capable de dire qu'il gagne sur sa gilet la plus bien. Vous gagnez ça de l'eau qui gagne depuis coucou là, depuis dans sa coucou là, vous prenez ça ou arrose de l'eau poisson. Et là, vous laissez les cuire 15 minutes comme ça, vous mettez un petit peu de safran. Si vous avez envie, vous mettez piment, mais sinon, vous ne pouvez pas mettre aussi, vous mangez avec piment après. Mon poisson, je peux laisser cuire. Avec un. Après, je vais ajouter un petit peu de safran. Bon, la galère est bien contente de ça. C'est un de mes plats préférés. Moi, je apprends cette recette-là avec mes grands-parents. Là, moi, je partage ça avec mes familles, avec mes enfants. Et la connaissance aussi qui me donne cette recette-là. Et comme depuis des générations, ce repas préféré des Agaléens ici partagé aujourd'hui pour souhaiter un bon retour du Mauritius Pride à Maurice. Rendez-vous est pris dans les 3 ou 4 prochains mois avec et toujours un même rêve. Retrouver ces trésors et ces secrets du bonheur que le monde d'ailleurs a malheureusement perdu. Le temps qui coule sans se presser, une vie proche de la terre, de la mer, une mère qui embrasse ses enfants dans la joie et les peines. Agaléga, île au milieu de l'océan, joyau brut, trésor caché à l'autre bout du monde.